L'économie allemande paye au prix fort les sanctions anti-russes, selon un député dans une interview accordée à un journal russe, Markus Frohnmayer, un député du Bundestag, a déclaré que chaque mois l'Allemagne perdait 618 millions d'euros à cause des sanctions contre la Russie. Chaque mois l'Allemagne perd 618 millions d'euros à cause des sanctions anti-russes, a déclaré le député du Bundestag Markus Frohnmayer dans une interview au journal russe Izvestia. Selon lui, 40% de tous les dommages causés aux pays de l'UE par les sanctions contre la Russie retombent sur Berlin. Le politicien estime que les mesures restrictives et la détérioration des relations commerciales sont contraires aux intérêts nationaux de l'Allemagne. Chaque mois, nous perdons 618 millions d'euros à cause des mesures restrictives. Pour quoi faire? Pour changer le statut territorial de la péninsule de Crimée, ce qui n'arrivera jamais, a déclaré Frohnmayer. L'UE, les USA et plusieurs autres pays ont imposé des mesures restrictives contre la Russie en 2014, les liant au rattachement de la Crimée à la Russie, puis au conflit dans le sud-est de l'Ukraine. En réponse, Moscou a imposé une interdiction sur les importations alimentaires de la plupart des pays qui ont soutenu les sanctions contre la Russie.